accueillons l'enfant roi de la télé, le seul, le vrai, mesdames et messieurs, Antoine Bertrand. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, groupe. En forme, Antoine? Très en forme, ouais. Oui. Autant que faire se peut, là, quand on est 100 livres au-dessus de notre poids santé. Et ce soir, on a une émission plus musicale qu'à l'habitude à vous proposer. Ah, tu vas-tu nous refaire ta performance de Lady Gaga du Bye Bye? Non. Ah! Antoine, ce soir, on va présenter plusieurs prestations musicales parce que parmi nos invités, nous avons Véronique Béliveau ainsi que MC Gilles et Monsieur Michel Fauquet. Bienvenue à vous trois sur notre plateau. Très, très heureuse de vous recevoir. Véronique, je dois saluer ta présence ici parmi nous parce que tu ne fais pratiquement plus d'apparitions à la télé. Ça ne te tente plus. C'est par choix. C'est vrai. Mais tu as accepté de nous rendre visite ce soir. Ouais. Merci beaucoup. Je suis très, très heureuse. C'est une chose que j'aime beaucoup. OK. Et puis, je suis vraiment très, très intriguée de voir ce que vous allez me montrer ce soir. Il y en avait des archives. Oui, je sais. Il y en avait beaucoup, beaucoup d'archives à ton sujet, tout comme Michel Côté, d'ailleurs. Moi, je suis exactement pour la même raison, par curiosité. MC Gilles est un collaborateur régulier à l'émission Infoman. Pas juste Infoman, Véronique, on peut le voir aussi à Vox, ici et là. On peut l'apercevoir à TV5 également. On peut le voir à son show, l'entendre à Paul Arcand et à CISM aussi. Oui, je suis partout. Première question à MC Gilles. Comment on fait pour faire autant de shows et être si peu connu? C'est facile. Le chapeau de cow-boy. Ah! Habituellement, tu restes relativement inconnu dans ça, là. Alors, ce soir, MC, tu vas nous présenter quelques prestations, parce que toi, tu as une grande culture, évidemment, tu as un goût formidable pour les performances musicales, et tu nous en présenteras quelques-unes pendant la soirée. Oui. J'ai surtout beaucoup de records. Oui. Tout le monde jette leurs records. Moi, je les garde. Toi, tu les gardes. Oui. Et ce soir, on va présenter quelques-uns de tes coups de cœur. Voilà. Et on t'en présentera, nous aussi. Qui sait, peut-être qu'on va te faire découvrir des choses. Que de l'émotion, hein. Oui. Michel Côté, homme de théâtre, 2 ans avant Brou, en 1977, nous avons des images de toi au théâtre avec Marc Messier, Marcel Gauthier et aussi Véronique Leflaguet. Oh boy! Oh boy! Oh, il est beau! Oh, il est beau! Oh, il est beau, bébé! Oh, il est beau, bébé! Oh, il est beau, bébé d'amour qui va faire! Ah, le beau bébé d'amour qui va faire... Qui va faire quoi? Qui va faire... Sortir! Oh boy! Wow! Wow! Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est... avant Brou, on a créé notre troupe en 75. On a fait 3 pièces avant Brou. Et en 78, on a perdu notre théâtre. On peut comprendre pourquoi. Que vous filmiez dehors, est-ce que je vois? Non, j'étais en dedans, mais le monde était dehors. Et en 78, on a perdu notre théâtre et on a fait notre petit théâtre sur la rue Saint-Laurent, le théâtre des voyagements, où on a créé Brou. Et comme on était propriétaire du théâtre, on s'est dit, ça serait peut-être le fun de faire un spectacle un peu plus populaire. Ah oui. Et on a fait Brou en 79. On est tombé dans l'autre extrême. Je pense qu'on est tombé dans l'autre extrême. Ça marchait pas pire, l'autre chose que tu parles. Brou, ça allait marcher. Mais ça, c'est de la poésie, hein, vous savez. C'est du théâtre. Ah, le beau bébé! Ah, le beau bébé! Qui va faire quoi? Son petit mot! Hey, on aura vu Véronique Loutier roter, mesdames et messieurs, quand même! Prête à tout pour l'art. Mais les Véroniques, ça rote, là. T'as vu, la mienne, elle rotait tantôt aussi. Ben, je sais pas. Moi, pas trop souvent. Le moins possible. À tes débuts, Véronique, les publicitaires ont essayé d'exploiter tes lèvres douces et veloutées. Vous savez, vos lèvres aussi peuvent avoir soif. Lip Quencher. Désaltérez-les avec Lip Quencher de Chapstick. Un rouge à lèvres aux couleurs merveilleuses, dont les riches émollients hydratent vos lèvres et les rendent douces, belles et veloutées. Lip Quencher. Parce que vos lèvres aussi peuvent avoir soif.
ramené des affaires vraiment, là, dont je me... Ben ça, je m'en souviens, ça, mais j'avais oublié. Ça, malheureusement, c'est mes J'adore la façon dont tu prononces lip-quench. 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 Oui, lip-quench. Avec un peu de naïveté. Ça, là, on avait fait toute une campagne de publicité avec ça. Il y avait des photos, il y avait tout ça. Et faire une campagne de publicité pour des produits de beauté, parce qu'il y avait des produits pour le corps, c'est toute une histoire. Hein. Tu as un body make-up, là, ils te mettent un petit peu de brillance ici, puis là, il faut que tu aies une petite ombre là. Écoute, faire un body make-up, moi, je sais, ça, j'en fais plus, moi. Non, mais juste tenir le rouge à lèvres, puis je me souviens que je faisais un fond de teint aussi, il fallait qu'on voit le nom du fond de teint. Fait que t'es comme, elle a l'air naturelle, mais t'es comme ça à peu près, tu comprends? Fais-moi le dos encore un petit peu, le... Ça me prendrait un accessoire. Et t'es là, toi? Antoine! Je veux faire le bâtonnet. Oui, c'est ça. C'est pour des grosses lèvres, hein? MC Gilles, on a ta toute première chronique à Infoman. Oui! Oui, ta toute première. Et oui. Si on se fie à ta silhouette, c'est une époque où tu crevais de faim, je pense. Oui. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette chronique de Noël. Les meilleurs pires disques de Noël avec un expert en disques de Noël poche, MC Gilles. Bonjour. Eh bien oui, bonjour, ça va bien? Toujours en forme? Tu parles de même? Oui, c'est pas du tout. C'est Joyeux Noël à la flûte de Pan. Oh oui, ça prouve que Noël, c'est plate en bâtisse. Hein? Alors, on voit le feu et le jeûne hein, qui attend impatiemment que le Père Noël se la brûle solide. Oui, il y a un bas et une flûte de Pan. Oui, palpitant. Et là, passons à Noël au Mexique. Oui, il fait bon jouer de la trompette avec les mitaines. Il faut toujours se faire plaisir. Avec une bonne tourista. Noël toasté, juste pour toi. Pourquoi toaster? Ben, check là. Oh! Mon préféré, hein? Guy Aubin, c'est un peu un mélange de Robert Lepage et de Ariane Moffat. J'adore! Des amis! J'ai l'air d'un poteau de téléphone carotté avec un chapeau et des cheveux, hein? Oui. Ouais. C'était quand, ça? Il y a 2 mois? Non, c'est 4 ans, quand même. Mais j'ai un petit peu gagné de... Déjà 4 ans de carrière. Et quoi, t'imagines? Bravo! La prospérité. Voilà. Ben ouais, content de voir que t'es le seul gars en musique qui mange à sa faim. Oui, ça repart dans 15 ans, là. MC, donc, ce soir, toi, homme de grande culture, on t'a invité pour partager avec nous quelques-uns de tes coups de cœur musicaux. Oui, puis on commence très raide, très, très raide, avec Fidèle Lachance, vous le connaissez sans doute. Oh, ah, célèbre vedette! Fidélité. Voilà, il est signaleur routier dans la vie. Ouais. Ah, il signale en bosse. Et puis, moi, c'est mon, sincèrement mon chanteur préféré parce qu'il fait des vers d'oreille. C'est-à-dire que vous entendez Fidélité une fois dans votre vie, vous l'avez dans la tête pour toute votre vie. On n'oublie plus jamais. Fidèle Lachance. Ah non, il est hot. C'est ça que t'as appuyé sur quelque chose de concret. Les artistes cherchent toute leur vie à trouver un hook, un verre d'oreille. Lui, il a ce talent-là sur son disque, 12 hooks. C'est pour ça que je voulais l'avoir sur mon disque. Il a fait quelque chose de culte aussi, qui est, à mon avis, la meilleure émission de télé jamais faite. C'est avec Anita Pouliot, la chanteuse c'est country. Saint-Joseph de Beauce, télé communautaire. Toi, tu penses que t'es bonne? Et moi, je travaille avec Paul Arcand, qui est l'homme des vraies questions. Elle, c'est la femme des vraies questions. Il va se faire voler sa job par elle. Mais félicitations, Fidèle. C'est très, très bon, hein? Puis je trouve que c'est a été très bien enregistré, hein, cette cassette-là. Et la deuxième pièce qu'on va faire, je crois que c'est « Je parcours les routes du village », hein, c'est ça? Oui, c'est ça, « Je parcours les routes du village ». Qu'est-ce que ça signifie, ça, « Je parcours les routes du village »? Ah, oh, c'est quand que je m'en vais dans les maisons, puis que je vois... Dans les maisons. Mes gens, que je vends mes musiques country, mes chansons, dans les maisons, mes cassettes. C'est-à-dire que... C'est une des raisons... C'est-à-dire que tu te promènes un peu, cogne. Ouais, porte par porte, seul. Faut le faire, hein? Écoute! Moi, je l'aime! Oui! Je les aime! Fidèle a
percé en passant parce qu'il s'est ramassé à la Fureur un jour. Oui. Tu viens? Sur la même Fureur que moi. C'est vrai? Oui, j'avais fait une fois dans ma vie. J'ai une to-do list, là. Oui. Dans ma to-do list. T'as fait la Fureur oui. avec et... Fidel. Puis d'ailleurs, Fidel a des problèmes parce qu'il est signaleur routier. C'est le signaleur routier le plus connu. Et les gens s'arrêtent quand il fait signe aux gens d'avancer. Avancer, il y a des travaux. Les gens ah. arrêtent pour avoir des autographes. Oh. Le trafic dans Beau, c'est épouvantable. Ouais. Nous sommes de retour aux enfants de la télé. Michel Côté est reconnu pour l'intensité de ses personnages et c'est pas une bouteille de bière qui veut pas s'ouvrir qui va le déconcentrer. Ça vous dit une affaire, c'est pour ménager ma mère que je me suis pas séparé avant. Parce que je suis sur le bord de mourir, je vais pas lui faire trop de peine. OK? Là, cette heure, j'ai plus personne à ménager. Fait que traînez-moi en cour, en prison, là. Ça me dérange pas, je bougerai pas d'un poil. OK? Vous irez faire la loi ailleurs. Moi, je veux rien savoir. Point final. OK? C'est ce qu'il me reste à faire. C'est ça. Au moins, vous serez pas venus ici pour rien. Bout de Chris. J'aurais tellement aimé ça à la voix du premier tour. Ah, c'est sûr. C'est sûr. J'aurais tellement aimé ça à la voix du premier coup. Qui est choqué dans ce temps-là, le comédien ou le gars du lac Saint-Jean? Ah, mais je venais du bon personnage, je venais du lac Saint-Jean. Ça s'entendait-tu? Non, mais c'est parce que toi, tu viens du lac Saint-Jean. Ben, oui. Ben, non, mais on sent un petit accent. Mais c'est parce que la scène était quand même d'une grande intensité, donc ben, ça aurait été trop plate de reprendre juste ça pour aurait ça. Ça aurait pu virer en comédie aussi. Ben, oui. Ouais, on frôle un peu la comédie. Véronique, tu as connu du succès chez nos amis du Canada anglais. Oui. Et en 1985, tu as fait un vidéoclip qui s'intitule « Make a Move on Me ». Oui. Écoute, ça fait très années 80, mais on voit qu'il avait mis le paquet quand même. C'était un clip à grand déploiement pour l'époque. En fait, c'est inspiré d'un film avec Fred Astaire et Sid Cherry. Mm-hmm. C'est exactement à peu près la même chorégraphie. Je ne prétends pas être Sid Cherry, alors ils ont dû adapter pour moi. Mais j'étais un peu habillée comme elle. Lui, il faisait Fred Astaire. Alors, c'était vraiment ça l'idée de ce vidéoclip. Dans le décor de Garden Party. Non, absolument pas. C'était à Toronto, puis on a tourné 22 heures en ligne. Quand j'ai enlevé mes chaussures le soir, j'avais la marque du soulier avec le pied enflé comme ça dessus. Oui. C'était épouvantable. C'est long faire des clips. Ouais, t'avais-tu un peu mal d'un bras aussi à force de passer? Non, ça allait bien. Non, ça allait pas pire. MC, toi, t'apprécies les performances musicales, disons, alternatives. L'authenticité. Appelons ça comme ça. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a ton bon goût. Dans le prochain extrait, regardez bien la dame devant le chanteur qui, visiblement, n'achètera pas son disque. Avant, tu viens voir la musique d'un petit show, ça serait magique, d'un gagnant, tu t'en as des piques. Bien sûr, avoir tout ça, mais comme le talent ne se prête pas, je dois me contenter de moi. Pour dire, pour chanter, pour jouer, je ne devrais toujours compter sur le talent qui m'est donné. Moi, j'ai une théorie là-dessus. En fait, je pense pas qu'elle aille ça. Je pense qu'elle aime tellement ça qu'elle monte le volume de son appareil auditif. Caché derrière les cheveux, là. Oui, oui, oui. Bien caché. Michel, quand on te demande de nous parler d'un moment de télé qui te rend de bonne humeur, tu nous parles de tes apparitions dans les Bye Bye et notamment dans la peau de Mario Tremblay. Bonjour, mesdames et messieurs. Le Club canadien, cette année, ça marche au bout. Oh, terrible, terrible. Je dis pas que c'est à cause de moi, mais mercredi passé, il comptait mou du beau but. McPhee a passé à Smith, Smith avec fils, McPhee à Smith, puis McPhee me passait à pas comme un savoir-il des filets. Écoutez, mais il scorait mou du beau but. Terrible, terrible, terrible. C'est juste plate que la game n'ait pas été encore commencée, mais on peut te voir. Ça,
c'était dans les années où tu étais en vedette dans les bye-bye. Oui, 84, 85, 86, on était... 84, 85, Marc Messier, Pauline Martin, Dominique Michel et moi. Puis en 86, Marc avait été remplacé par Yves Jacques, qui a continué après une couple d'années à le faire. Quel souvenir tu gardes des bye-bye? Très beau souvenir. Beaucoup de travail. Oui. On travaille très fort. Et quand on a autre chose en même temps, parce que moi, j'avais quand même beaucoup le soir. Alors, mais beau souvenir. Et puis, on avait eu trois bonnes années, assez bien reçues par la critique. Et on était bien contents. Ça ne va pas bien, j'étais sûre. Mais je me suis dit, gars, je vais y aller. Et ce que vous savez pas, c'est que la chanson d'après, je faisais le Papy 12. Tu sais, j'ai une robe qui s'attache dans le cou. La robe s'est détachée. J'ai juste eu le temps de faire ça. Je ne peux pas recevoir Michel Côté sur ce plateau sans parler de Brou, qui a commencé en 1979 et qui, en 2011, joue encore. C'est extraordinaire. Et... C'est bon. Ben oui. Qu'on l'a appris. Une fois qu'on l'a sait, ça se fait. Vous avez joué le premier show devant Louis XIV, c'est ça que vous... C'est quand même spécial. On a trouvé ce qu'on croit être les plus vieilles images de Brou. Je vais être bien franc avec toi. Prends pas ça personnellement, mais je trouve que tu fais dur. Mm-hmm. Ouais. Pendant, hein? J'en viens pas, moi. J'en viens pas, Léo. On dirait que c'est la première fois que je te regarde. Une femme, là, ça s'attire. Si j'étais une fille, moi, là, là, je regarderais à côté de toi. Au tout début, c'était à l'émission L'heure de pointe. Oui, c'était pas vraiment sur scène. Ça, c'était une émission. Je me rappelle pas. Vous l'aviez recréé pour la télé? Mais nous, non, on avait fait un sketch en promo. Oh mon Dieu, OK. En promo. Ceci dit, on a pris un petit peu de poids quand même. Oui, à peine, j'aurais pas pu le dire. Et puis, Marc, il joue encore le même personnage. Il a 16 ans, le petit gars. Hein? Ouais. Ah, c'est un tour de force. Juste hein? Ça, c'est un record. C'est un record. Michel, tu étais bien préparé pour le succès de Brou parce que tu avais fait plusieurs publicités de bière. Il y a eu la Carlsberg. Vous avez trouvé ça, vous avez... Moi, j'aime l'action. Pour moi, c'est la nature. L'aventure, ça me passionne. Moi, c'est la mer. Nous sommes différents. Pourtant, on se ressemble quand on choisit une bière. C'est Carlsberg qu'on préfère. La bière brassée chez nous pour être à notre goût. Carlsberg, c'est notre bière. Ça donne le goût, hein? Ça donne le goût. C'est à mon goût. Ça donne le goût, hein? Ouais. Alors, voilà. Réalisé par Gilles Carle. Vraiment? Ah ouais, quand Gilles Carle te demande de quand faire une pub, j'ai vu un journaux, oui. Je me suis dit, genre, Gilles Carle en arrière de ça. Alors, Gilles Carle, écoute, moi, j'étais-tu content de faire un commercial avec Gilles Carle? Et devinez où c'est que ça a été tourné, au mois de janvier, en Guadeloupe. Oh! Et il y a le petit lac où je fais du canot. Il y a des sangsues longues de même. Oh. Puis les sangsues grimpaient sous le canot de plastique qu'il avait apporté, un canot pliable. Qui, tu sais, un genre de canot comme ça. Oui, un canot pliable. Parce que nous, on a apporté des épinettes dans l'avion. Et je te jure, on avait tout notre stock. On a recréé un petit peu de Québec en Guadeloupe en plein mois de janvier. Moi, j'ai tourné une demi-journée, puis on était là une semaine. Dans le temps, dans ce temps-là, il y a des gros budgets. Hein. Oui. Un très beau tournage. Ça, c'était la Carlsberg. Oui. Tu as annoncé la bière 50. Aussi. Ah, ça, je m'en rappelle pas. Avec une petite paire de shorts, encore une fois. Ah oui? Tout le monde peut se retrouver par une vraie belle journée. C'est l'occasion rêvée de rire et de regarder tous ceux qui savent chanter, tous ceux qui savent fêter cette fameuse journée. Et voici la 50. Ça a toujours fait vendre. Ça fait vendre. C'est en 78, ça. Écoute, je me rappelais pas de celui-là, mais là, ça me revient, ouais. Pourtant, moi, je m'en rappellerais, parce que ça a l'air un peu... Non, mais tu sais, on était tellement contents d'avoir de l'ouvrage. Hein. Ouais. C'était vraiment le fun. Ça, pour un acteur de théâtre, quand tu pouvais pogner une pub, là, c'était le Nirvana. Tu disais, wow! À l'époque, c'était pas mal vu. C'était payé en une journée de tournage que tu gagnais en 6 mois au théâtre, tu sais. Tu veux dire que adieu, adidou, ça n'a pas pogné, ça? Ça n'a pas payé? Oui, mais c'est moi qui produisais. Ah, c'est toi qui payais.
Parfois, pour les chanteurs, chanteuses, il y a des contextes très difficiles dans lesquels on doit performer. Et là, le prochain, c'est imbattable, d'accord? Alors, je vous remets en contexte. Les fêtes de la Saint-Jean, le grand concert sur le Mont-Royal en 1975, où Ginette Reno livre une performance magistrale d'un peu plus haut, un peu plus loin. On regarde d'abord un extrait, puis on poursuit après. Un peu plus haut! Plus tard, on parle encore de cette performance, bien sûr. Et là, le pire qui pourrait arriver à une chanteuse, ce serait quoi? Ce serait de passer après ça. Ouais. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Eh bien, ça a été le cas pour une jeune chanteuse de 20 ans qui n'avait même pas enregistré encore son premier album, Véronique Béliveau. Dans mon âme et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous ses sujets beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la tête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Non, vous entendez pas, ça hurlait « Ginette, Ginette! » Oui, les gens criaient, puis on peut pas le présenter parce qu'on l'entend pas assez fort sur l'extrait, mais c'est vrai. Et moi, j'ai une extinction de voix, en plus. Moi, j'ai passé l'après-midi à l'hôpital à essayer de me trouver un moyen, des piqûres, pour pouvoir chanter le soir. Et elle, elle chante « C'est beau! » Et moi, je chante « Dans mon âme! » Même si j'avais eu de la voix. Mais c'est pas encore... Mais c'est, mais c'est qui le génie de la mise en scène qui a dit « Ah, on finira pas avec « C'est beau » finalement? » Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. C'est que nous autres, on est à peu près 10 chanteuses avec Jean-Pierre. Et on répète pendant plusieurs semaines, mais Ginette n'est pas là, parce que Ginette est à Los Angeles. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. On sait qu'elle revient faire le show. Moi, je suis la petite chanteuse qui commence, qui n'a pas réalisé que peut-être c'est moi qui va chanter après Ginette. Toutes les autres chanteuses, pas moi, non pas moi, non pas moi. Personne ne suit Ginette. Et Ginette a bien, pour le faire. Oui, puis Ginette a bien dit à tout le monde, je devrais finir le show. Ben oui. Mais les autres chanteuses disaient non, 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 c'est moi qui vais finir. Fait, finalement, elle a du temps, puis pour vous autres. Puis elle est arrivée, puis elle a fait ce qu'elle avait à faire. Puis elle a fait tellement un gros hit qu'après ça, le show, il pouvait juste faire ça. Ben non, c'est sûr. Mais comment tu te sentais toi derrière? Toi, t'es prête, là, t'es en coulisses, tu vois l'ovation monstre, tu dis, moi, il faut que je rentre. Avec une extinction de voix. Oui. Oui. Moi, je me dis, ça va pas bien, j'étais sûre. Mais je me suis dit, gars, je vais y aller, je vais faire. Et ce que vous savez pas, c'est que la chanson d'après, je faisais le papy 12. Tu sais, j'ai une robe qui s'attache dans le cou, la robe s'est détachée. J'ai juste eu le temps de faire ça. Ah, j'ai fait toute la chanson avec le micro. Tu sais, quand ça va mal. Et là, qu'est-ce que ça... Oui, c'est ça. Que t'es mieux de rester à l'hôpital cette journée-là. Mais tu sais pourquoi, le lendemain, il y a plein de gens qui me disaient... Ils me reconnaissaient parce que j'étais la pauvre petite qui avait chanté après Ginette Reno. Fait qu'en quelque part, j'avais eu quand même une reconnaissance. Ah, quelque chose. Pour le public, là, la pauvre petite, c'est bon aussi. C'est payant, ça. Ben oui, c'est payant. T'as chanté après. Oui, ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. MC, connais-tu Bernard Blanc? Oh, le Robert Lepage du terroir. C'est... Tu le connais? Un petit peu. Écoute, c'est un avant-gardiste qui n'a pas eu peur, lui, là, d'écoute, de détruire les conventions en incorporant la technologie dans sa performance musicale. Regardez bien ce... cette beauté. Le futur aujourd'hui. L'amour et les fleurs sont toujours à la mode. Ce n'est pas comme les roses. Elles changent à toutes les saisons. Mais je vais pas te relancer, mais tu connais Sophie Stanquet? Ben oui, journaliste maintenant. Oh que oui, fille! De Monsieur Stanquet. Alain Stanquet. Alain lui-même. Et elle a fait une chanson qui s'appelle In Vitro. Ça fait aussi mal que le In Vitro. Je suis un bébé. Je vis dans un labo, choc éclair, j'entends leur tambour.
Juste au moment où on se dit que ça peut pas être pire, il y a un canard avec une planète en première rangée. Mais là, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. Okay. La bonne, c'est qu'on va continuer à écouter la chanson. Oui. La mauvaise, c'est qu'il y a trop de mots et il y a une chorégraphie un petit peu trop compliquée. Alors, le bordel poigne. Nous en ferons une star. Je suis supposé de chanter, pis ça, mais non, c'est pas là que je chante. Mais le canard est toujours, lui, il est aux aguets, par exemple. Juste devant Rodrigue, là, qui est dans le feu. Ça, c'est l'équivalent de s'enfermer dans une craque de trottoir puis faire un petit jogging pour pas avoir la il y a vraiment juste dans les années 80 que le monde pouvait porter les cheveux orange de même puis ça... Oh, non! Chantait à la télévision, il y avait beaucoup de lip-sync, mais pas toujours, et parfois, ça tournait un peu au désastre. Plus tu te balances, plus je reste là. J'attends que tu penches juste dans mes bras, en domptant que je me rappelle. Tu... La, 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 ba, la, li, la, 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 la. M'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu pas? Oh. Mais ce qui est très drôle, c'est que... Les dernières paroles qu'elle dit avant d'avoir le blanc, c'est « en autant que je me rappelle ». Oui. Ouais. Ça, c'est Mariette Lévesque, oui, je me souviens d'elle. Qui est tellement belle. Oui, il y a des gens qui réagissent. Et c'était donc en 1965. Elle est super belle, mais elle n'a pas de mémoire à court terme. Des fois, c'est pire de se rappeler des mots, par exemple. Ah oui? Ouais, surtout quand tu es dans l'humour, la chanson mélangée ensemble, tu veux faire des jeux de mots. C'est le cas de Charlotte et Hervé, là. Eux autres, ils s'en rappelaient, mais on ne voulait pas qu'ils s'en rappellent. Hey, comment t'appelles ça un chat qui est pas beau? Oh, j'appelle ça un chalet. Un chalet. Un chat qui est pas vite, je suppose. Un chaland. Un chaland. Oui, un chat qui dit bonjour. Un chalut. Un chat qui a des idées religieuses. Je sais pas. Un chat noël. La dame qui met rouge en arrière, elle trouve ça très bon. Je voulais que... Un chat qui nous énerve, un chacrament. Pour mon goût préféré, c'est miaou, 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 miaou. Un chat bandit, un charlatan, etc. Ça peut continuer. Un chat qui fait le cirque, un chapiteau. Ça peut continuer à l'infini. Véronique, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que tu avais été mannequin. Ouais. Probablement parce que tu as été l'image pendant quelques années des magasins Simpsons. Oui. Et on va regarder une des publicités que tu as faites pour eux. Et Antoine veut savoir si c'est toi la fille nue dans la douche. Venez économiser chez Simpson. Simpson, pour ma façon de vivre. Aujourd'hui, Simpson, c'est bien moi. En ce moment, achetez une superbe serviette de bain 100 % coton au fini ratine et ne payez que 3,99 $. En plus, on vous remettra en cadeau une serviette à main assortie. Oh, wow. Ah, là, c'est... Désolé. Je m'en souvenais pas de ça. C'est parce que c'était un peu surprenant pour l'époque et totalement gratuit. On n'a pas besoin de mettre une fille tout nue. Non, 3,99 $ qu'elle coûtait. Michel Côté, bien connu pour son rôle dans Cruising Bar où tu interprétais, Michel, 4 personnages différents, mais je ne savais pas que tu avais appliqué le même procédé à une pub de Nescafé. Oui, il pratiquait. Allô, buenos nachos. Yo, yo soy Quebecos, ma nota bon tacos, Quebecos. Connais-tu Quebeco? Connais-tu pas ça? Acapulco, USO, Quebeco. Uso, excusez-moi, tacos. J'ai pas pris le temps de prendre votre Nescafé, hein? Quebecos, lui aussi. Nescafé, ça commence bien le matin. Un pas de venir. J'avais complètement oublié ça. Pas du tout. Deux bières et puis Nescafé. Toujours dans le liquide, hein? Oui. Dans ce qui se boit. Mais ça, c'était tourné où, ça? Dans un studio. Vélémar. Ça aurait pas l'air. Quand ça se passait au Québec, on allait en Guadeloupe. Quand ça se passait en Guadeloupe, on restait au Québec. C'est ça. quand même curieux, mais...
Bon, là, je vous avertis, il faut coucher les enfants parce que là, ça va faire mal, OK? Oh, non. Ah oui, oui, regardez bien. Moi, je vais y aller, moi. Non, mais rassure-toi, Michel, ça ne te concerne pas. Ah. Ça concerne Véronique. Oh, mon Dieu. Dans les années 80, tout le monde voulait ressembler à Véronique Béliveau. Tout le monde voulait être Véronique Béliveau. Elle était très, très, très populaire. Et les démons du midi ont organisé un concours de sosie de Véronique Béliveau. C'est un grand moment de télévision. Juste dans les années 80 que le monde pouvait porter les cheveux orange de même puis ça... Ah! Oh, non. Non, mais... Faut pas. Ça, là, je ne me tente pas de regarder ça. Te souviens-tu de ça? Non, absolument pas. Mais le premier, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est un homme. Oh, OK! Oui. 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 Parce que j'avais un doute. Non, non, c'est pas méchant, c'est vrai, c'est un homme. OK. Ah, mais c'est lui qui était le meilleur. Quand oui, tout à fait. Oui, oui. Mais au moins, il savait que le micro, ça va là, ça va pas partout. Comme ça, téléphone. Bon, ouais. Mais je les salue, OK, particulièrement celle qui a la robe turquoise, tu sais, oui. Oui. Vite là, là, elle va mais, se reconnaître. Mais tu sais, il y a des affaires de même, tu dis, j'ai fait ça quand j'étais jeune, puis mon Dieu, que je rirais de revoir ça. J'espère qu'on vient de lui refaire découvrir quelque même chose. Ton numéro de téléphone, on va te rappeler quand l'émission va passer. Oh non, mais je trouve ça fantastique. Parce que je te fais remarquer que c'est toi qui ris le plus, hein? Oui, c'est vrai. Allô? Ah, ah. Puis, en plus, ben moi, j'avais pas trop de doutes sur ma sexualité, si tu comprends, alors je peux m'embarquer là-dedans à fond. À fond la caisse. Tu savais que t'étais gay. Ouais. Tout le spray net que tu employais dans les années 80 pouvait devenir une arme de destruction massive. Alors, reportons-nous en 1986 au train de 5 heures où les vapeurs de spray net commencent à perturber Jacques Boulanger, je crois. Alors, on va maintenant s'envoler pour la France. Il va... Qu'est-ce que... Attends un petit peu, je vais recommencer mon affaire. Avant de... Là. C'est... Ah, ils sont là? OK. Oui, bonjour. Avant... Vous faites bonne année, les gars. Bonne année, François. Tout ce que vous désirez, moi aussi. Ouais. Avant de s'envoler pour la France à la fin de janvier, il nous rend visite et il nous offre une chanson dont les paroles sont signées Emmanuel Tadros. Ça commence bien. Là, ça arrive parfois. Mais moi, j'ai beaucoup de cheveux. Hein. Faut comprendre que j'ai un petit visage et énormément de cheveux. Oui. Alors, il faut... Bien chanceuse. Hein? Bien chanceuse. Ouais, mais c'est beaucoup de coupes de cheveux. T'as une grosse face puis pas de cheveux. C'est ça que je veux dire. Mais on peut pas tout avoir, Véronique. Je veux saluer Jacques Boulanger parce que je sais qu'il nous regarde pratiquement chaque semaine et que, hein, Antoine, on le dit souvent, ses émissions sont une mine d'or d'archives. Et je lui demande, je sais qu'il veut plus faire de télé, mais je lui demande, s'il vous plaît, de venir nous rendre visite à l'émission. Ce serait un moment extraordinaire. Je veux saluer aussi parce que quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai pas vu depuis longtemps, et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Ah, ben vraiment. Voilà. Donc, un argument de plus. Allô, ouais. Boubou! Véronique, on peut pas conclure l'émission sans présenter une des nombreuses autopromotions que tu as fait pour Radio-Québec à l'époque, bien sûr, qui est Télé-Québec aujourd'hui. Plein de gens s'en souviennent. Et quand on a annoncé ta venue sur le plateau, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire « Faut que tu passes une pub de Radio-Québec. » Alors, en voici une. Ça
pas. Ben voyons. C'est non, pas toi? Je ne lisais moi un petit peu. OK, ouais, mais fait pas. Ils ont trouvé. Ben non, absolument okay. pas. Ils ont trouvé. Non, moi je fais c'est à bien peu fait. Près. Oui, c'est très bien fait. Ils ont trouvé une jeune patineuse qui me ressemblait beaucoup, qui avait à peu près 30 ans de moins que moi. Mais c'était pas pire, ça passait bien. Et on s'est gelé, il n'y a pas de mots, parce qu'on est dans un aréna, il faisait un peu de froid. Froid humide. Oui, mais ça, c'est la dernière année, je pense. C'est en 84, ça, déjà. Je pense que c'est la dernière année. Ça a duré pendant 5 ans. Moi, j'ai une demande spéciale. Oui? Je veux la chanson. Oh, mon Dieu. Je veux retrouver. Tu vas faire un double accès sur la table pendant ce temps-là. Je veux retrouver le monde. Je veux vivre avec lui. Les gens d'ici, les gens d'ailleurs. Les comprendre et leur parler. Regardez vivre des millions de gens. Venez voir pour voir Radio-Québec. C'est tout un monde à regarder. Oh, bravo! Ben ouais, c'est ça. J'ai juste envie de te dire, c'est beau! C'est beau! Je suis pas si traumatisée que ça, quand même. Non. Ah non, mais merci. Ben non, je suis contente que t'aies accepté. On se sent un peu comme à l'Halloween, tu sais. Chante-moi une chanson, je vais te donner des bonbons. Tu l'as chanté, je suis très contente. Est-ce qu'on est dû pour une petite performance d'MC Gilles? Ben oui. On serait dû. Pas hein? de toi, mais proposé non, par toi. Non, pas de moi. Là, on va aller plus dans la musique d'Arena. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, avant chaque Moses de game, de n'importe quoi, dans n'importe quelle ligue, il y a toujours l'hymne national. Puis si on va aux États-Unis, ils connaissent pas le Canada, ils savent pas trop où on est qui, où c'est qu'on va, où c'est qu'on vient. Ben, c'est pire! Alors, voici le Haut-Canada à mi-chemin entre le Haut-Canada et mon beau sapin. Haut-Canada, our home and native land. Far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. Moi, je chantais pas fort, mais j'étais pas fausse, au moins. Mais non! Écoute, oui. Là, on rit, mais c'est quand même un exercice qui est difficile à faire. Oui. Prendre oui. les paroles, c'est ça, sur la musique de quelque chose. C'est de l'art, à quelque part. Ouais. Oui. Aller chercher des nouvelles intonations. C'est pas du lip-sync, là. c'est pas ses vrais cheveux non plus, aussi. Sûr que c'est... On a tellement entendu au Canada que c'est d'autres choses. Ça nous amène ailleurs. Moi, j'aime ça. Michel? Non, je chante pas. T'as besoin de sortir le bonbon. Tu vas aimer où je m'en vais, regarde. Je vais te faire des compliments. Un mâle alpha, un séducteur, un homme qui a la séduction dans le sang. Tu sais, un vrai. T'aimes ça, ça? Tu parles de qui, là? De toi. Ça peut pas être moi, c'est toi. Et ce, peu importe avec qui. Allô. Bonjour. Pauvre Caro, j'ai tellement de peine pour elle. Vous aussi, vous devez avoir de la grosse pépine. Hein? Non, moi, c'est plus de petites pépines, sais-tu? Vous avez beaucoup de charme, vous savez. Ah oui? Pas beaucoup de patience, par contre. Ah ben? Regarde, dis donc le beau point noir, toi. Hein? Ça, je m'excuse, t'as ma tante. Non, c'est à mon nom. Non, c'est à mon nom. On a tellement eu de fun. Ça sentait le fou rire. Ben oui. Souvent, on sentait que Claude Meunier devait faire de gros efforts pour pas éclater de rire. On a un autre extrait. Ah oui? Ah oui. OK. Gratte, place et foire. OK. Me semble que c'est gratté, j'aime le mieux. Ah oui, let's go. OK. Gratte, place et foire. T'es sûr que ça va pas mieux rentrer dans Jeannette en place? Oui. «
Est-ce que c'était à chaque enregistrement, les fous rires, les décrochages, ah ouais. Tout ça? Je me rappelle pas qu'il y a eu un enregistrement. J'étais pas là toutes les semaines, mais quand Jean-Louis était là, je me rappelle pas qu'il n'y a pas eu de fous rires au moins une fois pendant l'enregistrement, c'est sûr. Écoute, ça a été vraiment une belle aventure, ça, Jean-Louis. Ça a été le fun au bout. On a ri. Mais ça, c'est du bonbon, ça. Non, c'est du bonbon, les lignes. Les lignes, le personnage. Puis, en plus, ben moi... J'avais pas trop de doutes sur ma sexualité, si tu comprends. Alors, je peux m'embarquer là-dedans à fond. Puis à fond la caisse. Tu savais que t'étais gay. Ouais. Eh bien, c'est comme ça que ça se termine. Je voudrais remercier, avant qu'on se quitte, nos invités. Tout d'abord, Véronique Béliveau, qui a gentiment accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup, Véronique. Plus à la télévision, mais tu en fais encore puisque tu travailles comme recherchiste sur l'émission. On prend toujours un train avec ton amoureux, ton mari, José Lito Michaud. Et d'ailleurs, la nouvelle saison commence en mai 2011. D'ailleurs, Louis Morissette fait partie des invités. Oui, entrevue extraordinaire. Ça ne peut pas manquer dès mai 2011 ici à Radio-Canada. Merci beaucoup, Véronique. Merci d'avoir été. Michel Côté, qui a accepté, par les temps qui courent, de donner un coup de pouce à la mission des cardiologues de Sainte-Justine. Ouais. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Ils s'en vont en Égypte opérer des enfants qui n'ont pas d'argent, leur replacer le cœur. Alors, ils font ça sur leurs vacances. Ils ne vont pas vous enlever du temps, mesdames et messieurs. Ils font ça sur leurs vacances. Ils ont fait ça pendant 4 ans au Maroc. Pardon. Et là, ils s'en vont bientôt. Alors, si vous voulez donner des dons, faire des dons, les aider à acheter le matériel et tout ça, les billets d'avion et tout. Oui. Alors, je donne J'ai un numéro à Sainte-Justine, le 514-345-4931. C'est à Sainte-Justine, 345-4931, le poste 5401 pour leur donner de l'argent. Docteur Joaquin Miro qui s'occupe de ça et Nancy Poirier. Et toi, tu en parles pour leur donner un coup de main. Moi, j'en parle pour leur donner un coup de main, puis il va y avoir quelque chose bientôt là, pour ramasser plus de sous. C'est très gentil. Et puis, sans le film avec Josio et Benoît Brière. Oui, Le sens de l'humour qui sort en juillet. Et Brou va avoir 32 ans, donc le 21 mars. Hey, et c'était la 3000e le 28 janvier dernier. Bravo encore une fois. Gilles, on peut se procurer son album Les grands classiques de MC Gilles pour tous les détails sur sa carrière trépidante. MCGilles.com. Oui, il y a fidélité là-dessus. Il n'y a pas une vitro, ça, pour le deuxième. Et on peut te voir à Infoman les jeudis soirs, 19h30 à Radio-Canada et plein d'autres choses. Paul Arcan le vendredi matin, etc. Alouette. Merci beaucoup, MC Gilles. Merci à vous. Merci toute notre équipe, le public en studio, vous à la maison et bien sûr, mon complice, mon frère, Antoine Bertrand. My brother. Merci à la semaine prochaine, Tony. Exactement. Ça me prend à peu près 25 minutes pour faire une chanson. Quand ça me tente, dans des moments tranquilles, mais je suis plutôt dans des moments de tristesse. Quand est-ce que tu te sens le plus inspiré pour le écrire? C'est ça. Est-ce que c'est quand tu as de la peine, quand tu as de la joie, quand il pleut? Hein? C'est quand il pleut. C'est quand il pleut souvent. Puis quand c'est de la peine aussi. Oui. La joie, tu fais moins des belles chansons. Mm-hmm. J'ai dit aux gens que tu t'appelais fidèle. Est-ce que ça vient un peu de ce mot-là, non? Oui, exactement. Fidèle, fidélité. D'ailleurs, notre compagnie de disques, je ne joue plus, elle a mentionné que ce serait plus idéal de mettre fidélité sur l'album. La...